bien voilà, bienvenue à ECMA 2019 pour les nouveautés 2020. On est sur le stand Husqvarna. J'adore les Svartpilen et les Vitpilen. Ce qu'il faut remarquer pour cette édition 2020, il n'y a pas de grosses modifications chez Husqvarna. Ce sont principalement des nouveaux coloris, mais avec des peintures qui sont d'une beauté entre le bronze, le gris et l'argent, aussi bien sur les 401 que les 701, qui sont vraiment fabuleux. Bon, maintenant, il y a quand même quelques modifications. Sur la 701 notamment, eh bien, on a des roues, et des roues qui ne sont pas à bâtons, mais à rayons ici. En plus des coloris et de quelques petits ajustements esthétiques qui ont été faits sur la machine. En fait, l'une des différences majeures qui ont été faites, c'est plutôt du côté de la 401. Une 401 dont la boucle arrière a été rallongée pour offrir un petit peu plus de confort à l'arrière, notamment pour cette selle passager un petit peu rallongée au-delà des coloris. J'adore leur look. On a essayé ces motos-là sur le repère, donc vous pouvez en retrouver aussi les essais vidéo. Mais s'il y a une chose naturellement à retenir chez Husqvarna cette année, eh ben ce sont les deux concepts. Il y a le concept Norden qui est vraiment un concept dans la lignée des Svartpilen et des Vitpilen, mais un gros trail baroudeur. Et on vous a fait une vidéo dédiée au Norden parce qu'elle est un tout petit peu longue pour tout vous détailler. Et puis Husqvarna revient en compétition et donc il y a un concept de MotoGP 250 qui est juste derrière moi. Suivez-moi. Ça, c'est une petite pépite, ne serait-ce qu'en termes de design. Naturellement, j'espère qu'ils auront la bonne idée de faire de la décliner également sur des versions de série. Mais en tout cas, la FR250GP, vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site, sur le repère. On vous la détaille énormément. Et puis derrière, cette fameuse Norden, encore une fois, qui est vraiment le modèle et le concept qui va arriver très très rapidement parce que Husqvarna nous a habitués à présenter les Svartpilen et les Vitpilen sur ECMA et à voir le modèle débarquer en concession dans l'année qui suit. Et puis derrière, eh bien, il y a également des modèles enduro avec notamment le modèle enduro LR 701 qui est juste derrière au milieu de la foule. On est en théorie encore avec une journée pro aujourd'hui sur le stand Husqvarna, mais il n'y a pas que des pros, on vous l'assure, et il faut se faufiler dans la foule. Husqvarna a beaucoup travaillé sur les enduros LR et la Supermoto avec pas mal d'électronique et d'assistance supplémentaire. Non seulement au-delà de ça, eh bien, il y a des packages très très bien designés sur la moto. Alors sous ces 701, on retrouve le même monocylindre que la KTM 690. Donc c'est toujours le mono qui délivre 74 chevaux. On retrouve un accélérateur ride-by-wire. On trouve un cadre treillis tubulaire en acier. Et puis le bras oscillant en alu. Et puis naturellement, je dirais, des suspensions WP, anciennement White Power. Mais c'est désormais WP suspension. Et en l'occurrence, les modèles Apex et Explore. Et derrière tout ça, il y a également un embrayage anti-tribble. Mais surtout, le package électronique d'assistance, il se renforce parce qu'on trouve plusieurs modes de conduite qui permettent, en fait, comme d'habitude, d'ajuster le niveau de puissance et d'intervention des différentes aides. D'autant plus qu'au-delà de l'ABS, il y a également un anti-patinage MTC pour le Motorcycle Traction Control. Et puis, ce qu'on commence à voir chez de plus en plus de constructeurs, c'est un shifter Easy Shift, fonctionnant à la fois en montée et en descente des rapports. Et ce qui fait la grosse différence de la 701 Enduro LR, c'est son réservoir, en fait, puisque la capacité du réservoir est désormais de 25 litres, et ça se voit pas obligatoirement à l'extérieur, et ça devrait désormais lui donner une autonomie de pas loin de 500 km. On en fera l'essai, vous en retrouverez l'essai vidéo sur le repère et on vous dira tout à ce niveau-là également. Et on termine par la 701, le nouveau coloris de la 701 qui est en bleu. Et donc les Svartpilen et les Vitpilen, comme vous le savez, ce sont les flèches blanches et les flèches noires. Donc on retrouvait plutôt des modèles blancs et noirs au début. Désormais, on a un magnifique bleu presque pailleté qui s'associe avec à la fois du gris mat alu et un blanc mat au niveau du plastique sur la courbe arrière qui est juste totalement magnifique. Voilà, le tour du stand se termine. Toutes les informations précises, les détails, les fiches techniques, vous allez les retrouver sur le repère des motards. Et puis nous, on passe sur un autre stand parce que des nouveautés, il y en a plus d'une centaine. Et donc, on continue à vous guider. À très vite.
sur une autre vidéo.